Soi-même. Il faut identifier sa destinée prophétique. Il faut reconnaître sa destinée prophétique. Il faut savoir pourquoi on est né. Il faut savoir pourquoi on a été relâché. Prends-moi Habakkuk chapitre 2, s'il te plaît. À partir du verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et dit. Écris la prophétie. Écris la prophétie. Grave-la sur les tables. Quelqu'un peut souligner, écris la prophétie. La prophétie. Il faut bien souligner ça dans David. La prophétie. Alléluia. Il y a écrit la prophétie, ensuite il dit quoi? Grave-la sur les tables. Grave-la sur les tables. Continue. Afin qu'on la lise couramment. Afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps. Car c'est une prophétie dont le temps. Est déjà fixé. Est déjà fixée. Elle marche vers son terme. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde. Si elle tarde. Attends-la. Attends-la. Car elle s'accomplira, certainement. Parole du Seigneur notre Dieu. Chacun d'entre nous est une prophétie. Chacun d'entre nous est une parole de Dieu libérée. Prenons Hébreux chapitre 11, le verset 3. C'est par la foi. C'est par la foi que nous reconnaissons. Que nous reconnaissons que le monde a été formé. Que le monde a été formé par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Autrement dit, le monde a été formé de quoi? De la prophétie. De la prédiction, de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Ok. Jean chapitre 1, le verset 1, qu'est-ce qu'il dit? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites. Toutes choses ont été faites par elle. Continue. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Parole du Seigneur notre Dieu. Donc vous comprenez, quelqu'un ici a pour origine la parole de Dieu. Alléluia. Quelqu'un ici est une parole de Dieu en action, en marche. C'est pourquoi il dit, la prophétie, elle est quoi? Elle est en marche. Donc quelqu'un ici n'est pas un hasard. Vous voyez, Dieu était assis un matin. Dieu était assis un matin, il était là, et puis il dit, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Il dit, j'ai envie de libérer une prophétie, alléluia. Alléluia. Dieu était là, il dit, j'ai envie de parler aujourd'hui. Et puis il a dit, Jennifer sort, alléluia. Il dit, aujourd'hui j'ai envie de parler. Et puis il dit, Marie-Dominique sort au nom de Jésus. Il dit, j'ai envie de parler aujourd'hui. Et puis il dit, Esther sort. Il dit, Esther sort. Il dit, Marie sort. Donc chacun d'entre nous est une prophétie. Et une prophétie qui vient de Dieu, elle n'a pas été libérée pour échouer. Alléluia. La prophétie n'a pas pour but d'échouer. C'est pourquoi ta vie sentimentale ne peut pas être un échec. Dis à quelqu'un, je suis une prophétie. Cette prophétie, elle ne tardera plus. Elle marche. Elle court. Elle prend son envol vers son accomplissement. Elle ne sera plus tardée ni retardée dans le nom de Jésus. Donc tu es une prophétie. Jeune femme, tu es une prophétie. Jeune homme, tu es une prophétie. Donc ta vie est orchestrée, mais tout ce qui est à côté de ta vie, aux alentours de ta vie, est aussi orchestré. Maintenant, c'est la responsabilité de Dieu de relâcher la prophétie que tu es. Mais c'est ta responsabilité de découvrir ta prophétie. Pourquoi j'ai été relâché? Pourquoi j'ai été relâché sur la terre? Que nous dit Romains chapitre 8, le verset 19? Le monde entier. Il y a des versions qui disent la création tout entière. Elle fait quoi? Elle attend avec un ardent désir. Avec un profond soupir, la révélation, la manifestation de la prophétie que tu es le Fils de Dieu. Alléluia.
pour se faire reconnaître par son âme sœur, il faut en premier reconnaître la prophétie que l'on est. Quelle est la prophétie que je suis? Qui suis-je? Pourquoi je suis né? Parce que la prophétie que je suis détermine le type de personne avec qui je marche. Je vais vous choquer un peu, jeune fille, mais je sais que je ne vous choque pas parce que peut-être que vous savez même mieux que moi. La prophétie que je suis détermine qui avec qui je couche. Alléluia. Avec qui? Quand je me rends compte que je suis une reine, c'est-à-dire que dans la prophétie de Dieu pour moi, il m'a relâché comme une reine. Quand je me regarde dans le miroir, je me dis, ah, en fait, normalement, je porte une couronne. Même si les gens ne voient pas la couronne sur ma tête, moi, je reconnais la couronne qu'il y a sur ma tête. Alléluia. Et donc, moi, en fait, je suis le type de personne qu'on ne siffle pas. Hé, je peux avoir ton numéro? Non, parce qu'une reine, ça ne se traite pas comme ça. Alléluia. Une reine, elle est radieuse. Une reine, elle est solennelle. Alléluia. Et donc, celui qui s'adresse à moi doit être comment? Solennel. Oui, c'est parce que j'ai commencé à identifier qui je suis. Donc, quelle est la prophétie de ma vie? Quelle est la prophétie de ma destinée? Elle détermine tout le reste.